Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Romain.live, Gertrude pour vous servir. Les amis, j'espère que vous êtes confortablement installés. Bonjour à vous les pilotes et futurs multijoueurs de Mario Kart Tour, une vidéo pack opening, gameplay, n'hésitez pas, vous pouvez envoyer la frénésie de pouce bleu et si vous découvrez la chaîne, abonnez-vous et mettez la petite cloche. Allez, on est parti, on commence avec du pack opening et vous allez voir tout de suite, il me reste 20 tirs. 20 tirs les amis, et dans ces 20 tirs, il y a deux ultra rares, il y a l'aile et Peach Vacancière. Donc je suis quasi certain, si c'est pas dans ce tuyau-là, il est doré les amis, donc on commence direct avec du lourd, c'est certain. Alors est-ce que ça va être l'aile, est-ce que ça va être Peach, est-ce que ça va être les deux, je sais pas. Si c'est les deux les amis, c'est tout simple, je réinitialise le tuyau, hein, clairement. Hein. Allez, on découvre un petit peu ces 10 tirs. Non, quoique je vais pas réinitialiser le tuyau si j'ai les deux ultra rares de cette première partie de saison, parce que je pourrais avoir une grosse surprise, je vais faire les 20 tirs. Imaginez que je chope un masquasse pâtissier dans le dernier tuyau. Non, je fais les 20 tirs. Les amis, on est parti. Donc, qu'est-ce qu'on va récupérer? Déjà, il y a une ultra rare. On ne sait pas ce que c'est. Ça pourrait être l'aile crêpe aux fraises ou tout simplement, et avec bonheur, Peach Vacancière. Ok, du gold. Et c'est vrai que j'aimerais bien récupérer... Ah bah c'est l'aile. C'est l'aile les amis, crêpe aux fraises. Oh, qui passe niveau 4 déjà, hein. ça fait plaisir. Hein. Plus 20% de temps de combo. Et le bonus de points x3, c'est du régal, hein. C'est du bonheur. Vous pouvez envoyer un max de GG dans les commentaires. Et la petite frénésie de pouce bleu, bien sûr, qui va avec. Allez, on continue. Bilboom, ok, c'est du gold. Une deuxième. Allez, s'il te plaît, fais pas ta pince, Nintendo. Oh là là. Bon, écoutez, c'est un peu mes tirages traditionnels, hein, maintenant. C'est beaucoup de gold et une ultra rare qui est planquée à l'intérieur et de temps en temps, une, deux ou trois autres cartes. Allez, les 10 derniers tirages. Donc là, c'est tout simple. Il est doré. C'est normal, les amis. Pourquoi? Il y a obligatoirement Peach Vacancière. Mais s'il y avait mieux, s'il y avait plus, ce serait bien sympa. En tout cas, ça commence avec 1000 de gold pour Jet Set. Wendy, ok, d'accord, on continue. Du gold encore, 1500 pour Bowser, c'est énorme. Allez, toi, elle est là, c'est Peach Vacancière, obligé. C'est Peach Vacancière, elle passe, elle est à mi-chemin de passer le niveau 5 et c'est déjà exceptionnel. J'aurais pu forcer hein, pour la maxer très très rapidement, puis vous faire une petite vidéo, je suis le premier au monde à maxer Peach Vacancière. Mais là, je vais prendre mon temps. Maintenant, dans les packs opening, je prends mon temps parce que je n'ouvre que du gold. Je pense que je vais la maxer lors de la deuxième partie de saison de Paris. Ok, du gold, les amis. En tout cas, voilà, ce pack opening s'est très bien passé. J'ai récupéré logiquement mes deux ultra rares qui me manquaient dans la fin de ce tuyau. Il me restait 20 tirs, j'ai fait les 20 tirs. Et là, on va partir sur la coupe Bébé Daisy, les amis. Je voudrais mettre la pression un petit peu. Hein. Le deuxième, le troisième et le quatrième. Les deuxièmes, troisième et quatrième étaient trop proches de moi. Je vais les coller à 10 000 points et puis on n'en parle plus. Allez, hop. Tout en sachant que la saison est encore longue. Cette première partie de saison est encore longue. Et je pense que je pourrai encore largement améliorer mon record sur la coupe Bébé Daisy dans les prochains jours. Mais je mets tout de suite la pression. Moi. À chaque fois, je fais le gros forcing. Au début, comme ça, les gars, ils sont un petit peu abattus et ils passent à autre chose, quoi. Ils savent qu'ils feront pas premier ou... Ouais, ils vont se battre pour la deuxième ou la troisième place. Vous avez vu, hein, là, je suis Ligue 19, les amis. Alors, la grande nouveauté de cette ligue, c'est la première fois que ça m'arrive, c'est que si je termine premier, deuxième ou troisième, eh ben, je ne monte que d'une seule ligue, parce qu'il y a 20 ligues dans le jeu. Il n'y a pas 21, 22 ligues, il y a 20 ligues. Donc dans la Ligue 19, je vous l'explique hein, si vous ne connaissez pas, les trois premiers, eh ben, ils montent d'une ligue et tous les autres, ils restent en Ligue 19. Voilà comment ça se passe. Il n'y a pas de rétrogradation hein, dans la Ligue 19. On ne peut pas descendre. Quoique remarquez, dans toutes les autres ligues, j'en ai jamais vu. Hein. Mais à un moment, il faudra bien faire descendre des joueurs. Hein. Bon, la course, elle se passe plutôt bien. Hein. J'ai déjà 6700 points, vous avez vu. Hein. On attend encore de la frénésie, là. En fait, c'est le but d'une course de Mario Kart Tour, c'est quand va venir ma frénésie pour que j'explose mon record. C'est vraiment ça. Hein. Le suspense pour terminer premier. Est-ce que je vais finir premier? Il n'existe pas. Hein. En attendant le multijoueur, parce qu'alors là, avec le multijoueur, ça va être autre chose. Et vraiment, je suis toujours plus hypé. Je suis vraiment impatient de découvrir le multijoueur.
quels vont être les modes proposés, est-ce que vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en parler. Hein. Oh, la frénésie de pièces de gold qui tombe là. Alors là, c'est parti, là, la course, elle démarre. Là, regardez-moi ça, la vitesse à laquelle le combo monte et le nombre de points monte. Je suis déjà à 10 000, on arrive en fin de course. Ça va bien se passer, ça va forcément bien se passer. Ça sent le bon gros record, regardez, je suis à 11 100. Et n'hésitez pas à me dire, parce que hier on s'est fait un live gameplay qui était vraiment cool. Moi j'ai adoré, hein. j'ai énormément apprécié ce stream en votre compagnie, en rush. Alors c'est un peu délicat de rush parce que Mario Kart c'est un jeu dans lequel moi je rush quitte énormément les courses. C'est-à-dire que dès que je sais que la course ne va pas faire un record, je la quitte. Mais j'ai eu l'impression que ça s'est plutôt bien passé. C'est le 19 120 qui tombe, les amis. Nouveau record sur cette première course. Oui, donc je disais, on est monté à quasiment 700. Vous étiez 700 sur mon stream hier soir sur du gameplay. Dites-moi en commentaire si oui ou non, vous avez envie que je refasse des lives comme ça de gameplay. Si ça vous motive, etc. N'hésitez pas. Vraiment, dites-moi en commentaire et partagez avec moi. Est-ce que vous préférez que je me concentre sur les packs opening en stream, en live, ou est-ce que vous voulez du gameplay, comme on a fait hier soir? Mais c'est vrai que pour le coup, moi, je me suis régalé. Allez, on passe sur la course suivante. Donc, c'est la deuxième course de la Coupe BBDZ. C'est Circuit Mario 1. Et c'est une course que j'adore. Le Jungle Dino Dino, c'est une course sur laquelle on fait beaucoup de points, mais c'est pas ma préférée. Hein. C'est vraiment pas ma préférée. Mais elle est sympa quand même, hein, avec l'énorme dinosaure sur lequel on rebondit pour prolonger notre combo. Circuit Mario 1, c'est toutes les courses Circuit Mario, je les adore. Elles me rappellent trop des courses sur d'autres jeux d'il y a très très longtemps. Donc ces courses très classiques, je les adore. Oh, c'est la frénésie de banane. Eh bien écoutez, ça commence très fort. La frénésie de banane, c'est très très fort. Hein. Alors la frénésie de banane, je sais pas comment elle s'appelle, géante, les bananes géantes. En tout cas, la frénésie de banane géante est monstrueuse. Parce qu'en plus, donc, à chaque fois que vous cliquez sur l'écran de gagner des points, eh ben, vous allez gagner une banane géante peut faire 3 kills dans le jeu. Et ça, c'est énorme. En tout cas, regarde. Oh, mais non, j'allais vous dire, on est déjà tellement haut en points. Et là, la frénésie de pièces qui tombe. 7 000. Allez, c'est le 13 542. Et c'est un nouveau record. C'est parfait. On continue. Je suis vraiment désolé. Mais vraiment désolé pour les concurrents dans ma ligue 19. Mais ils vont avoir du mal à aller me chercher. Ouais, là, je suis parti pour faire au moins 42, 43 000 points, si ce n'est plus, dans cette première partie, dans ce début de saison. Hein, parce que je pense que d'ici quelques jours, je serai plutôt au-dessus des 50. Voire quand je vois un peu les courses, je peux peut-être aller chercher même un 55 000. Allez, on est parti sur la dernière course donc, de cette coupe BBDZ. Lagon Chip Chip. C'est pas une de mes courses préférées. Hein. Mais il faut la faire. Et il va falloir scorer. Donc un petit 12 800, 13 000 m'irait bien. Dans un premier temps. Hein. Parce que je pense honnêtement que sur cette course, on peut aller chercher avec un petit peu de chance des bonnes frénésies du 16 17 000. Sur Circuit Mario 1, pareil. Je pense qu'on peut faire du 16 entre 16 et 18. Et sur Jungle Dino Dino, je pense qu'on peut aller chercher... En tout cas, moi, avec mon niveau de carte, pour le coup, là, il va devenir important. Je peux aller chercher du 23-24 000. Ok, c'est la frénésie. Vous avez vu, hein, je me retrouve toujours comme ça dans le décor. Pas systématiquement, c'est pas vrai. J'exagère un petit peu. Mais ça m'arrive énormément de me retrouver en difficulté. Et après, c'est dur de redresser la barre. Hein, mais vraiment. Et alors, en 200 cm3, si vous y jouez, c'est 10 fois pire. 10 fois pire. Je sais pas pourquoi, en général, je me prends un mauvais karma. À chaque fois que je lance des objets trop tôt, je me prends une carapace rouge, mais direct. Bon, les points augmentent, on est à 4413. J'aimerais bien avoir une petite frénésie, là. Non, pas encore. Allez, il faut qu'il y ait une frénésie qui arrive, là, pour faire un énorme score. Et je vais vous mettre en commentaire de la description de cette vidéo le lien vers mon pack opening de cette saison Paris, Mario Kart Tour... saison de Paris. Je vais vous mettre le lien parce que je suis sûr qu'il y en a plein d'entre vous qui seront intéressés de regarder cet énorme pack opening que je vous ai proposé en vidéo. 6 000, 6 033. Ah, la frénésie de carapace verte. Allez, c'est parti, c'est le moment là. Allez. Chaque clic est important là. Putain, il n'y a personne à toucher, ils sont trop loin. Oh, c'est le record qui tombe.
13 234. Ok, le mini-objectif est atteint. C'est parfait. Oh, je suis impatient de voir le total. Hein. Le total, il va être joli, les amis. Hein. 13 234, j'ai presque battu de 800. De 800 points, mon précédent record. Donc voilà, la Coupe Bébé Daisy, eh ben, je suis à 45 896, soit quasiment 10 000 points d'avance. Et encore, on est vraiment tout début de saison. En total, mon score à l'heure actuelle, il est à 541 304. N'hésitez pas, vous pouvez, pour ce début de rush, m'envoyer une frénésie de pouces bleus. Et si vous découvrez la chaîne, abonnez-vous et mettez la petite cloche, ainsi vous recevrez les notifs. La bise à tous! Abonnez-vous les amis, c'est le moment des Gertrude Bisous pour tous.